Donc, c'est la première fois que je suis au Guinée. Je suis contente, c'était vraiment un grand plaisir. Je veux commencer tout d'abord par remercier la Fédération guinéenne de football d'avoir permis ce cours aux instructeurs techniques et physiques guinéens. Je remercie également Monsieur Alain Girard pour sa collaboration et sa coopération tout au long du cours. Et je remercie finalement les instructeurs physiques pour leur sérieux, leur assiduité et leur engagement pour l'avidité de savoir qu'ils ont démontré. Je dois remarquer aussi que la préparation physique évolue très vite, donc les préparateurs physiques et les instructeurs physiques sont appelés à fournir beaucoup plus d'efforts pour qu'ils puissent aider les arbitres à progresser. Je recommande aussi à la Fédération guinéenne de football d'organiser beaucoup plus de stages pour les instructeurs techniques et physiques à l'échelle nationale pour qu'ils puissent bénéficier des connaissances requises pour l'arbitrage moderne. Aujourd'hui, le football moderne est basé sur l'entraînement intégré. Quand on parle d'entraînement intégré, on parle de physique et technique. Donc, la collaboration entre les physiques et les techniques est très importante et ces cours qui peuvent être organisés aident beaucoup les instructeurs à progresser et par conséquent, la réussite des instructeurs physiques et techniques est aussi la réussite des arbitres. Donc, voilà, finalement, je remercie tout le monde. Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation et j'espère vous voir encore. Merci.